quand nous interagissons avec des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, quand ceux-ci s'éprouvent comme une souffrance, il y a toujours une expérience qui est pleinement partagée avec ces personnes, puisque chacun d'entre nous éprouve de la souffrance ou éprouvé de la souffrance plus ou moins intensément. Mais il arrive aussi qu'on ne parvienne pas à rejoindre cette expérience, parce que les personnes sont enfermées dans une souffrance qui devient plus intense, plus durable, plus solitaire, moins partageable. Cette souffrance devient donc alors un problème, je dirais même une énigme, qui n'apporte pas de solution toute faite, mais plutôt qui nous invite à rechercher des solutions à plusieurs. Alors, cette énigme, nous pensons que nous pouvons la formuler en termes de liberté. Car c'est par la liberté que je peux affirmer qui je suis, parce que je peux accéder à des références culturelles, des savoirs qui me permettent de m'inspirer ou de dire ce qui a de la valeur pour moi, ce qui m'affecte dans la vie quotidienne. Car c'est par la liberté que je peux affirmer qui je suis, parce que j'ai des moyens d'expression, de dialogue, des amis, une famille, des espaces publics qui permettent d'avancer sur la formulation de cette identité. Et c'est par la liberté, enfin, que je peux affirmer qui je suis, parce que concrètement, j'ai aussi les moyens concrets de faire vivre ce que je réfléchis et qui, pour moi, constitue une vie pleinement humaine. Parce que j'ai un logement, je peux éduquer mes enfants, je peux vivre avec d'autres pour développer un projet dans une association. Or, fait étrange, il n'existe pas sur le territoire de la ville de Liège un espace commun pour penser et mettre en œuvre ces clés de la liberté. Or, fait étrange, ce sont les personnes qui ont le plus de difficultés pour s'émanciper de ces souffrances psychiques, qui en ont le plus vraiment besoin. Nous vous donnons donc rendez-vous le vendredi 28 juin à 12h30 au Crié pour cette première rencontre de la plateforme liégeoise pour la liberté.